les femmes, surtout Madame Jessica Valdez. Chaque fois qu'elle entend une vulgarité, elle me pousse et diarrhée. La GS, hein ? La chasse, madame. Qui a dit la chasse, pompant le feu dans la chasse, hein ? Ce n'est pas piquer une chasse. Laissez-la aller aux toilettes, sinon elle va encore me saloper tout mon carrelage. Garde, emmène la vieille aux chiottes. Le diable, 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 le
Le sida, c'est une question de cidre, sans doute, je ne sais pas. Vous voulez dire de cidre? Ben oui, du sida, du cidre. Bon ben, peut-être qu'il n'a... Je ne sais pas, il boive trop de cidre. Ben, il attrape des virus. Peut-être, ben, peut-être que dans les régions, bon ben, chez nous, il y a beaucoup de pommiers. Et puis, bon ben, là, ce qu'il y a, ce qui se passe, c'est que quand ils vont voler les pommes, bon ben, ils montent dans le pommier, ils doivent se corcher la piaule. Puis les microbes se mettent là-dedans, ça développe des maladies, il attrape des virus. Je crois que c'est ça, je ne sais pas ce que René en pense. Oui, mon Dieu, parce que bah, c'est pas la même... Un connard, grand, un vaisin. Il file malin comme ça, il ne file point longtemps, parce qu'un coup, il s'en mange les mains dans la lieuse à l'époque. Bah, c'est lui qui le dit d'abord. Il dit qu'il a le sida, parce que, mon Dieu, il reste plus que 4 dés dans une main et 2 dans l'autre. Comme il dit 4 et 2, 6, bah, le sida. Il dit ça à tout le monde, ça doit être ça aussi peut-être. Les chiens coccidois. À cause du site, sûrement ça. Peut-être aussi que le gars que tu dis qui a passé les mains dans la gueuse, il buvait beaucoup de site. C'est ce qui déclenche la maladie. Et pour ça qu'il a le sida. Et il a le sida aussi, mais il a le sida, c'est vrai ça, je le connais.